l'honorable docteur Henri Cueil, notre ministre de l'Agriculture. Pénétrer le photographe dans les campagnes distractira les milieux ruraux. Merveilleuse invention française d'image fait à l'usage de tout ce qui constitue le progrès moderne. Nous avions un léger problème technique, monsieur le ministre. Pouvez-vous recommencer depuis le début, s'il vous plaît? Faire pénétrer le cinématographe dans les campagnes où les distractions sont si rares. Doter cette merveilleuse invention française. Vive la France! Vive la France! Vive la France! Cette merveilleuse invention française d'images susceptibles d'instruire et de récréer les milieux ruraux. Récréer les milieux ruraux. Ces milieux ruraux, il faut les habituer au surplus, à l'usage de tout ce qui constitue le progrès moderne. Cela est une des grandes préoccupations de la Commission permanente du cinématographe agricole. Il me souvient que lors de son passage au ministère de l'Agriculture, Monsieur Jules Méline, à qui l'on ne doit cesser de rendre hommage, affirmait sa confiance inébranlable dans la France agricole. Or, tout nous permet de supposer que si le cinématographe avait existé de son temps, le paysan aurait depuis longtemps chez lui et autour de lui développé les procédés d'hygiène de sa maison et de sa ferme, amélioré son outillage, augmenté le rendement de ses terres et de son chtel. L'importance sociale du cinématographe est trop connue pour que j'aie besoin de la souligner. J'étais jeune sous-secrétaire d'État le 23 septembre 1920, lorsque mon ami Ricard organisa dans l'amphithéâtre de l'Institut agronomique rue Claude Bernard la première séance de cinématographe appliquée à l'enseignement technique agricole. Mais quelles armes avait-il pour convaincre son attentif auditoire? Rien que des films étrangers. Monsieur Ricard, dans la conférence qui précéda la projection de ces images, définit avec éloquence la portée du cinématographe, qui permet d'expliquer à un auditoire l'évolution de la nature. Depuis le phénomène de croissance des plantes et leur épanouissement, le développement et la destruction des parasites. Jusqu'aux remèdes destinés à combattre les effets de telle ou telle maladie, compte tenu des contaminations, des piqûres, des venins. Compte tenu des contaminations, des piqûres, des venins, en passant par les méthodes modernes de culture, le choix des engrais, la sélection des graines, la conservation des produits,
etc., etc. De cette conférence, je détache une seule phrase qui renferme tout un programme. Pour peu qu'on s'engage hardiment dans la voie que nous indiquons et que l'on fasse des films à la portée de ceux qui auront à les voir à l'écran, dans 10 ans, le cinéma sera fêté par des millions d'agriculteurs, hommes, femmes et enfants, qui auront plaisir et profit à des séances où l'utile et l'agréable seront harmonieusement combinés. J'approuvais par avance ces idées sans me douter qu'un jour je les ferais miennes en devenant ministre de l'Agriculture. Des crédits étaient indispensables pour cette œuvre en gestation. Solution inattendue me fut apportée en 1923. Une loi qui permettait de prélever 500 000 francs sur les fonds du pari mutuel pour que le cinématographe agricole puisse vivre et prospérer. Non, encore une coulure. C'est pas au point leur truc à moteur. Hein. Je continue à manivelle ou non? À ce moment, je décidai de créer une commission permanente composée de parlementaires rompus à la science agricole, de directeurs de l'agriculture, d'une élite d'inspecteurs et de professeurs. Enfin, de quelques journalistes spécialisés. Depuis plus de 15 ans qu'elle existe, je n'ai cessé de suivre avec le plus vif intérêt les travaux persévérants de cette cinémathèque. Connaissant le zèle et le dévouement de tous ses membres, il m'est agréable de saisir l'occasion de leur exprimer ma profonde reconnaissance. Avec moi, le pays tout entier leur sait gré de travailler consciencieusement en parfaite harmonie. La cinématographie est une merveilleuse méthode d'éducation générale et de formation technique. Sa supériorité tient non seulement à sa facilité d'utilisation, à la variété, à la richesse, à l'exactitude rigoureuse de ses enseignements, mais surtout à la faculté qu'elle possède d'agrandir des milliers de fois les êtres et les choses les plus infimes, de ralentir à volonté les mouvements trop rapides pour notre vue, d'accélérer au contraire certains phénomènes et de rendre ainsi sensibles des faits très importants, jusqu'ici insoupçonnés. L'écran animé
incomparable interprète de la nature et de la science, est un informateur particulièrement précieux pour les agriculteurs, pour leurs familles, et d'une façon plus générale pour toutes les populations rurales. En quelques minutes, il nous initie aux pratiques d'exploitation du sol et des animaux, les meilleures, les plus rapides, les plus rémunératrices. Il nous fait connaître l'organisation moderne de la ferme, de la maison d'habitation, du village, les grands travaux d'amélioration, électrification, eau potable, égout, irrigation, drainage. Il analyse le geste professionnel, les tours de main spéciaux. Le cinématographe agricole apporte des données précises, saisissantes sur l'hygiène, la défense contre les maladies. Pour certaines investigations et découvertes agronomiques, nous trouvons en lui un collaborateur infaillible. Il développe le goût de l'observation, de la recherche, l'amour du vrai. L'esprit d'initiative et de réalisation nous conduisant instantanément dans les plus lointains pays, il nous fait participer à la vie de tous les peuples, à leurs travaux, à leurs joies, parfois même à leurs douleurs. Il conduit les hommes à bien moins s'ignorer, partant à beaucoup mieux s'aimer, ou tout au moins s'entendre. Le cinématographe agricole permet d'autre part la réalisation d'une propagande intensive éminemment efficace en faveur des carrières rurales et des professions industrielles, libérales ou commerciales qui s'y rattachent. Cette propagande est des plus urgentes. En raison de la crise économique inquiétante, et après avoir frappé les autres grandes nations, commence à nous atteindre. Il importe d'orienter vers les occupations terriennes qui, bien comprises, demeurent les plus sûres, les plus saines, les plus intéressantes à tout point de vue. Orienter vers les occupations terriennes, dis-je, les jeunes gens, voire les adultes à tempérament sportif, intelligent, actif, capable d'initiative, qui veulent pour eux et pour les leurs la vie intégrale, la vie heureuse. Et qui pourront de moins en moins trouver dans les grandes cités la possibilité de satisfaire leurs légitimes aspirations. La cinématographie est une merveilleuse méthode d'éducation générale et de formation technique. L'écran animé analyse le geste professionnel, les tours de main spéciaux. On sait la portée récréative d'un film bien choisi et ce qu'il peut renfermer d'art, de charme, de rire ou d'émotion. Le cinématographe agricole est l'auxiliaire indispensable du maître rural, du conférencier, de l'ingénieur, du propagandiste agricole, de l'organisateur de fêtes et de spectacles villageois.
Il supprime les efforts inutiles et réduit à l'indispensable les longues et si délicates préparations de leçons ou de séances. Il contribue au succès de ceux qui le présentent, au perfectionnement et au mieux-être de ceux à qui il est présenté. Faciliter son emploi. Le ministère de l'Agriculture prête gratuitement des films scientifiques, agricoles, documentaires, sociaux. Savoir ce qui existe chez nous n'est pas une mince satisfaction. Mais le faire savoir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur est un devoir inéluctable. De même, je souhaite que ce petit discours dise à tous de quelle merveille est composée la cinémathèque du cinéma agricole et les soins que ne cessent d'apporter ses membres à l'étude des moyens propres à la développer, l'améliorer, la perfectionner. Je ne saurais vous dire, mon cher ministre, le plaisir que j'éprouve de me trouver dans votre bonne petite ville de Neuvik. Vous savez que je tourne un film sur le Limousin, et je suis certain d'avance que vous lui porterez bonheur. Je vous remercie, mon cher Coissac, d'être venu aujourd'hui à Neuvik et de contribuer, par votre heureuse initiative, à faire connaître cette petite ville dont nous nous efforçons de faire un centre de tourisme agréable. Encore une fois, je vous adresse mes compliments pour l'œuvre de propagande si utile pour notre pays que vous accomplissez. Je vous en félicite et je vous remercie. Mesdames et messieurs, je vous remercie.